Alors, on se retrouve pour le 25 décembre. Donc, je sais que certaines personnes fêtent Noël le 25 décembre. Je ne voulais pas finir le calendrier un 24, c'était pas possible. Donc, aujourd'hui, je vous ai juste concocté une petite carte de Noël. Avec un petit mot à l'intérieur qui vous est propre. Du coup, je voulais que vous gardiez une trace de ce petit calendrier. Je voulais vous adresser quelques mots personnellement. Et voilà, je voudrais remercier les 22 personnes qui ont craqué pour ce calendrier. J'espère que ça aura donné envie à certains de le commander pour l'année prochaine. Même si je pense que soit je m'y prendrai plus à l'avance, soit ce sera en nombre un petit peu plus restreint puisque ça demande énormément de boulot. Ou alors il me faudra des petits lutins pour m'aider. En tous les cas, voilà, merci à tous. J'espère que vous avez vraiment partagé... toutes vos ouvertures, voilà, là je peux pas vous dire, on est encore en novembre, mais voilà, j'espère que vous avez été un bon élève et que vous m'avez fait plaisir, et en tout cas j'espère vraiment vous avoir fait plaisir et vous avoir gâté. Que dire d'autre? Je vous laisse quelques petits mots en description de la vidéo, et puis je vous souhaite une bonne fin de décembre et prochainement une bonne année, et puis n'oubliez pas que je vous retrouve en février pour fêter les 10 ans de ma boutique. Donc ça va être un nouveau site qui va naître. J'espère vraiment qu'il va être prêt parce que là encore ça va me demander beaucoup de travail, mais je vous prépare un site vraiment beaucoup mieux qui va être franchement extraordinaire. Donc une bonne année 2020 en perspective, et bah voilà, festoyez bien, et je vous fais des gros bisous, et merci encore à tous d'être fidèles ou d'arriver tout juste sur la boutique. Ciao. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans la construction de ma déco de Noël qui me servira pour la boutique et ben pour moi ou pour mon chéri, tout simplement pour Noël. Je m'y prends vachement à l'avance, mais comme vous le savez, pour les entreprises il faut s'y prendre à l'avance. Donc du coup on va faire ça ensemble, j'espère que la déco vous plaira. Je suis pas très douée, mais on va essayer de faire quelque chose de bien. J'ai terminé la décoration de Noël, donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît puisque vous verrez ce décor pendant tout le mois de décembre et bien sûr quelques fois au mois de novembre pour vous raconter un petit peu ce que contient le calendrier de l'Avent au Dodo Créatif. Je vais vous montrer ça de plus près.